Yo, la famille, c'est comment? J'espère que vous allez très très bien sur votre MCV Territor. Comme je vous ai dit, hein, c'est la demande générale. On parle de l'affaire des Bordeaux First Magazine. On se prend juste après le générique. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Bon retour, les gars. Donc, vous voyez, hello, je fais ce magazine. Aujourd'hui, on peut dire, on peut se permettre de dire. Que grâce à ta page Facebook First Magazine, qu'elle est des hommes, pour ne pas dire l'une des personnalités les plus influentes en Côte d'Ivoire ici. Voilà, parce que ta chaîne comptabilise plus de 1 900 000 et quelques abonnés. Franchement, c'est pas rien. Et elle a une très 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 bonne audience. Voilà. Moi-même, une fois, pour ceux qui parlent de droit à l'image, voilà. Une fois, lorsque Debordo Likoufa avait sorti à Gaza. Le morceau était tellement bon que je me suis mis à pleurer. C'est passé sur First Magazine. First Magazine a partagé. Je ne sais pas si soit c'était pour se moquer de moi ou bien soit c'était pour la promo de l'artiste. Mais franchement, les gens m'ont présenté en commentaire là-bas. Voilà. Je ne m'en suis pas pris à First Magazine. Je n'ai rien dit. Cependant, il faut reconnaître que, hein, si on veut être honnête et juste, à mon humble avis, si je vous dis que vous ne faites pas la musique, vous ne faites pas la promotion des artistes ivoiriens, je mens. Mais je pense qu'elle est plutôt partisane. Voilà. C'est-à-dire, il y a certains artistes dans le milieu qui ont une très bonne fréquence de partage de l'information sur votre page que certains. Ça, c'est pas bien grave. Nous, on est là pour faire ça. Mais cependant, voilà ce que l'artiste de Bordeaux Likoufa dit. Et il ne ment pas. Normalement, éloge first. Il faut reconnaître que ce sont les deux mains qui se lavent. Les 1 900 000 abonnés que tu as aujourd'hui là ne sont pas venus de nulle part ou ne sont pas venus en cours. C'est parce qu'il y a eu des premiers abonnés, les premiers abonnés. Et moi-même, j'en fais partie. Voilà, je ne commente jamais, mais je suis abonné à ta page depuis le tout début. Il y en a même des pages fake et tout ça. Mais on s'est concentré sur le 1 900 000 abonnés là. Et franchement, tu fais ton bon petit bout de chemin. Et je pense que tu t'en sors très bien parce que j'ai les échos. Voilà, j'ai les échos. C'est comment tu taxes les gens pour passer sur ta page et tout ça. Mais là, il n'y a pas le débat. Le débat est que Debordo Likoufa dit dans sa vidéo que vous allez voir tout à l'heure, voilà, c'est bien de l'écouter encore avant de juger, qu'il serait bien de vraiment faire la promotion des artistes ivoiriens que de les dénigrer. Parce que honnêtement, on aura à mettre fanatisme à part. Debordo Likoufa n'a pas menti. Voilà. Moi, j'ai bien dit au début que je ne dis pas que vous ne faites pas la promotion des artistes ivoiriens, mais vous vous en moquez que de faire la promotion en fait. Voilà, c'est-à-dire si on veut faire un pourcentage, vous moquez 70% de fois et 30% de fois vous faites la promotion. Et ça, c'est pas intéressant. Sachant même que toi et l'autre, tu es un Ivoirien, tu ne veux pas te comporter ainsi. C'est vrai que c'est une page à buzz, c'est une page à polémique, mais souvent là, il faut, comment dire, modérer un peu, il faut doser un peu. Voilà pourquoi l'artiste de Bordeaux Likoufa a fait ce direct là. Et puis j'aimerais bien que vous l'écoutez attentivement parce qu'il a parlé avec beaucoup de sagesse et beaucoup de calme. Parce que vous connaissez l'artiste. Il pouvait sortir, chier, puis ça allait créer le buzz encore. Mais il n'est plus dans ce mouvement là. Voilà, il est en train de changer. C'est pourquoi il s'adressait poliment à First Magazine et Eloge. Les gens disent que non, il est en train de commander la page First Magazine. Non, les amis, ne réfléchissez pas comme ça. Regardez de Bordeaux Likoufa. Sans First Magazine, il a rempli toutes ses dates. Sa tournée fut une parfaite réussite. Quand il parle là, il ne parle pas pour lui seul, il parle pour tout le monde. Et en même temps, il dit aussi à Eloge que faut pas être partisan. Voilà, faut être pour tout le monde. Parce que tu dis que toi, tu n'es pas fan de X pour laisser ou tu n'es pas comme nous là. Nous, on dit qu'on assume. Mais n'empêche qu'on fait des big up de temps en temps à côté, on fait la promotion des autres aussi. Donc, faut être vraiment impartial, quoi. Franchement. Donc, moi, je n'ai pas trop parlé, c'était mon avis dessus. Moi, je respecte vraiment First Magazine, je respecte vraiment le grand frère Eloge, mais il faut revoir ça, parce que l'artiste n'a pas menti. Honnêtement même, l'artiste n'a pas menti. Je pense que si on dit aujourd'hui les Ivoiriens parlent très, 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 très mal, on a même dépassé les Camerounais, c'est pas à cause de quelque chose d'autre. C'est d'abord à cause de First Magazine. Parce que quand tu passes sur First Magazine, franchement, si tes parents n'ont pas un bon rythme cardiaque, ils risquent d'avoir une crise cardiaque. Franchement. Parce que là-bas, ce sont des spécialistes en injure, voilà, ils ne savent jamais applaudir, même quand c'est bon, ils vont toujours trouver un petit défaut pour vouloir te descendre, pour vouloir te dénigrer. Donc écoutez encore les propos de trucs de Bordeaux Likoufa, et franchement, revoyez ça. Donc force à toi, Eloge First, force à mon artiste de Bordeaux Likoufa, et puis sache que de Bordeaux,
T'as pas à t'emmerder. S'ils veulent, ne faut pas, ils vont faire ta promotion. Mais au moins, je t'ai dit ta vérité. Nous, avec nos mecs moyens, hein, on va continuer à faire ta promo. Voilà, partagez la vidéo. Et puis, n'oubliez pas la vidéo, la dernière vidéo en cours. Voilà, après ça, c'est la seconde. Je vous ai promis 3 vidéos. Il y a une autre vidéo que tout le monde attend. Voilà, partagez celle-là. Si celle-là ne grimpe pas vite, je vais annuler la vidéo. Si tu dis Arafat, que Dieu vous bénisse. On se compte tout à l'heure. Ok, bonsoir à toutes et à tous, c'est de Bordeaux les confrères, le maître matériel phénoménal, voilà, Fatissage, c'est le mimi, le grand rendez-vous, c'est le 30 juin pour le tout dernier et pour cette dernière bombe qui arrive, voilà, près de trois missiles, voilà, vont descendre sur la Côte d'Ivoire et le monde entier et surtout l'Afrique. Voilà, j'aimerais adresser un message à tous ces personnes, ceux-là même qui sont censés promouvoir la musique et la culture ivoirienne un peu partout dans le monde, vous comprenez un peu. En l'occurrence, je m'adresse plutôt à la presse, voilà. Déjà, merci à tout ce que vous apportez à la musique et puis à la culture ivoirienne aussi, à toutes vos informations, tout ça. Question de rehausser un peu l'image un peu de certains artistes, bon, on va dire des artistes du monde entier et aussi précisément de la Côte d'Ivoire. Bon, déjà, merci. Mais depuis un certain moment, j'ai remarqué un truc. Un truc en tout cas, franchement, je n'adhère pas et je ne suis pas du tout content. Voilà, j'aimerais un peu exprimer un peu mon mécontentement vis-à-vis d'une page, voilà, qui est autre que First Mag. Bon, First Mag, bon, voilà, vous allez prendre ça comme un coup de publicité, voilà, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est bien dans ce qui est un peu publicité, que ce soit une bonne ou mauvaise publicité, bon, enfin, voilà, considère ça comme tu peux. Voilà, j'ai beaucoup d'estime pour celui qu'on appelle le éloge de First Magazine. Éloge, je crois que dans le début, quand ça a commencé, tu nous disais Art de Bordeaux, venez me soutenir, tout et tout, voilà, et voilà. Tu nous affichais tranquillement, carrément, ce qui emmenait même certains internautes à venir commenter, ceux qui ne connaissent pas nos vies, tout ça, venir raconter du n'importe quoi et des bobards. Longtemps, plusieurs personnes t'ont apporté des plaintes et tout, tu voilà. De par certains pardons que tu proférais, il n'y a pas de souci, on acceptait. Donc, tu nous as fait comprendre que voilà, tu es dans une logique de pouvoir rehausser l'image et aussi la culture ivoirienne, voilà, mais à un temps un peu décalé. On a compris cette logique, tu vois, un peu. Mais il arrive parfois. Et on remarque que déjà, tu as eu une certaine notoriété de par certains dénigrements des artistes un peu de la Côte d'Ivoire. Tu as pu avoir une certaine notoriété. Oui, on accepte. Maintenant, étant donné que tu as cette notoriété, qu'est-ce que maintenant tu peux faire maintenant pour nous? Ben, c'est de nous aider. Mais pas à nous détruire, pas à nous salir. Ou bien pas à tirer seulement profit. Parce qu'il y en a qui payent et il y a d'autres qui ne payent pas. Bon, nous, les grosses têtes qui t'avons aidé, et même les petites têtes qui t'aident souvent, voilà, que ce soit financièrement ou pas, mais il est préférable de mieux vendre un peu la musique ivoirienne, de mieux vendre un peu la culture ivoirienne. Quand tu rentres dans une logique de dénigrement, de pouvoir rentrer dans les bassesses, tout ça, afficher, installer des photos, tout et tout, mais quand ces artistes-là posent de bons actes, sont en mesure de pouvoir rehausser leur image, les blanchir. Oui, parce que la presse, c'est toi. Tu es la presse. Tu fais et tu défais. Justement. Ben, manifeste-toi. Là, par contre, tu as vu, il y a nos jeunes frères qui sont en train de se battre, voilà, pour des questions de vue, que même je n'ose parler. Il n'y a pas de souci. Mais là, il est arrivé que de Bordeaux, les confrères, te fait des cartons, t'es rempli des salles, rehausse l'image de la Côte d'Ivoire qui est composée, c'est-à-dire dans tous mes spectacles sont composés d'Africains, pas d'Ivoiriens seulement, d'Africains, Sénégalais, Maliens, Gambiens, tous les 54, je dirais même 55 états même de l'Afrique, tout se retrouve à tous mes shows, mais je ne te vois ni parler, rien d'autre, et voilà. On a comme l'impression que, voilà, tu as une publicité préférentielle, on va dire. C'est-à-dire que tu te loges, tu te lances, c'est des systèmes, c'est... Comment je vais dire ça? Tu as tes distinctions. Et aussi, tu as aussi ce qu'on appelle aussi ton monde. Tu as tes préférences. Donc, du coup, tu te lances un peu... Là où, comme on le dit dans le jargon, c'est où tu sèches ton habit. Voilà, c'est pas comme ça. Tu comprends un peu? Faut pas avoir des partis pris. Faut pas avoir des camps. Quand on est journaliste, on décrit, on rehausse, on arrange et on crée des idées. Faut bien faire des choses.
Tu vois un peu, tout le monde parle, tout le monde parle. Mais ben, sincèrement, il sera préférable que tu te remettes en cause afin de pouvoir rehausser l'image un peu des artistes ivoiriens. Et vous aussi, très cher Paz, qui propagez, qui apportez une propagande un peu au niveau de la musique ivoirienne, de tout, il sera vraiment préférable que vous essayez de vendre un peu vos artistes que de les rabaisser. Parce que la Côte d'Ivoire est une plaque tournante et tout le monde s'y retrouve. Et tout le monde se comprend à partir de la Côte d'Ivoire. Tout le monde comprend. Vous comprenez un peu. Donc, il sera préférable un peu de nous aider que de nous rabaisser en les fins bidons. Vous dénigrez et vous, les fanatiques, vous emmenez, vous exhortez même les fanatiques même à nous dénigrer, nous rabaisser. Au lieu de nous encourager, on a un mouvement à sauver, c'est la musique ivoirienne. Et qui parle de la musique ivoirienne parle de la culture. Et qui parle de la culture parle aussi de la Côte d'Ivoire. Donc il est préférable sincèrement qu'on essaie de s'entraider entre nous ivoiriens. Parce qu'il n'y a rien d'éteint. Les attachements bidons à la con, c'est normal. Mais quand il faut vendre la Côte d'Ivoire, il faut savoir vendre la Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon, éloge, remets-toi en cause et fais du grand boulot. Tu t'es battu pour arriver jusqu'à là. Il ne faudrait pas que nous, artistes, nous associons afin de pouvoir trouver quelque chose pour pouvoir te descendre. Chose qui ne va même pas arriver, mais ça peut activer plein de choses, les comportements que tu as dans ces derniers jours. Tiens, mon pote, je pouvais bien t'appeler, mais je te dis, il est grand temps que tu te battes un peu pour les artistes de la Côte d'Ivoire, parce qu'on s'est battu pour être là où ils sont, là où on est, pardon. Nous nous sommes battus pour être là où nous sommes. Nom de grâce. Du loup, s'il te plaît. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et on est ensemble. Ciao, ciao.